À défaut des parades militaires et des feux d'artifice, cette année, Kiev expose des chars russes brûlés pour sa fête de l'indépendance. Mais ce 24 août, la capitale ukrainienne est en état d'alerte. Les rassemblements publics sont interdits. Les autorités redoutent le pire alors que l'invasion russe a commencé il y a 6 mois, jour pour jour. Cette journée est l'occasion pour le président Volodymyr Zelensky de décerner des récompenses à ceux qui ont soutenu les troupes ukrainiennes. Il a cependant rappelé à la prudence car il craint des provocations cruelles de la part de Moscou. Les forces armées ukrainiennes, nos services de renseignement et nos services spéciaux feront tout pour protéger la population, autant que faire se peut. Et nous répondrons certainement à toute manifestation du terrorisme russe. Mais merci de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Veuillez respecter le couvre-feu. Faites attention aux sirènes. Depuis plusieurs semaines, la situation s'enlise dans tout le pays. L'épuisement, le désespoir et la colère gagnent du terrain, notamment ici à Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine. Je suis fatigué de tout ça. Je veux la paix et le calme. Une vie tranquille et des projets pour l'avenir. Mais je crois que ce sera bientôt terminé et que nous allons gagner. Beaucoup de gens que je connais se battent. Beaucoup sont déjà morts. Beaucoup sont soignés et ne retourneront pas sur la ligne de front parce qu'ils ont perdu leur père. C'est dur et effrayant. Dans la ville de Donetsk, les autorités russes ont fait état de 4 morts et plus de 10 blessés dans les derniers bombardements qui visaient un quartier général séparatiste.